Hey, Jill. Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour! On va essayer de l'aborder! Ça fait 94 minutes que Chris et Jessica ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... ici, sur ce bateau. J'ai quelque chose. On dirait une arme. Et maintenant ? Une seconde. Alors, c'est pas Chris ? Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris ? C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde. La cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipée des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus, et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible. Nous rappelons la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète.
Ah, vous voilà tous les deux. Bon, Brian, vous êtes bien loin de votre bureau? Oui, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC n'a pas pu couvrir un tel désastre. Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement? Ouais. Le Genesis, c'est bien ça? C'est quoi ce nom? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non, mais... j'ai amené, au cas où. J'espère que vous les évitez, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, ouais, je m'y colle. Fais attention à toi. T'inquiète pas, j'ai déjà fait ça. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un agent de mutation, ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FBC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Quoi? Bon, très bien. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Bien, allez-y. Jill, Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec Chris et Jessica. Quand? Comment? J'en suis pas sûr. Je vous ai envoyé les coordonnées de leur dernière position. Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes, après Veltro. Mais d'après leur position, ils seraient... sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux, là-bas. Oui, chef. Qu'ils ont attaqué Chris et Jessica? J'espère que non. Hé, je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver. Chris! Chris? Mais qu'est-ce que c'est? Génial. Merde! C'est un piège! Vous allez connaître la vérité, Mademoiselle Valentine. Vite, Chris. On y est presque, Jessica. J'espère bien, oui.
J'ai les pieds en compote. Apparemment, la base est sur l'autre versant du pic. Ici Forkball, à vous. Ici Chris. Je vous reçois, chef. Vous allez bien? Où êtes-vous? Les interférences ont brouillé notre signal. On est à l'aéroport de Valkolnenmoki. Bon sang. C'est un piège. Comment ça? J'ai envoyé Jill et Parker en Méditerranée d'après de fausses infos. Et maintenant, j'ai perdu contact. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chris, il faut que tu vois ça. C'est impossible. O'Brien, ça ne va pas vous plaire. Il y a un drapeau de Veltro. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Si c'est le cas, alors... Alors le piège tendu à Jill et Parker, c'était eux. Ouais, j'en suis pratiquement sûr. O'Brien, nous allons chercher Jill et Parker. C'est pas un problème. Pas du tout. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. T'as une idée de ce qui se passe? On verra ça plus tard. On doit y aller. Pas que c'était notre bateau. Merde, on est coincé. Jill. Pas un geste, lâchez votre arme. Toi d'abord, Parker. Vous êtes qui, vous? Mal, gamin? Non. Je peux encore me battre. T'apprends vite. C'est fini. La ville est condamnée. J'ai une réaction en chaîne. Regarde, la ville. La ville est si lumineuse. Terra Grishia disparaît. On est venu. Mais trop tard. Raymond?
C'est toi, pas vrai? Le BSAA. Un peu trop tard. Qu'est-ce que le FBC fait ici? Réponds-moi, Raymond! Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est pas le moment de se battre. On doit... Arrête un peu. Vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, ni contre qui. Raymond! Ne bouge plus! Rien ne change si on ne se salit pas les mains. Raymond! On arrive tous les deux trop tard. De quoi est-ce que tu parles? Créatures ignorantes qui ne nous connaissaient pas encore. Vous deux. Le temps de la parole est venu. Regardez. Tu veux que je renouvelle la couleur désespérée qui, seulement d'y penser, oppresse le cœur. Notre cher ami au masque. Mais si mes paroles doivent être une semence d'où sortira l'infamie pour le traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble. Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas. Le monde est entre nos mains. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Fort pourrait deviner ce qui va se passer. Nous sommes Veltro, les messagers vengeurs des profondeurs de l'enfer. Alors voilà le coupable. Je savais que c'était Veltro. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y tente. Envoyez une équipe à Vaikkonen Moki. Pour trouver ce bateau, Brian. Oui, bien reçu. Je vais envoyer Quint et Kiss. Quoi? Vous deux, préparez-vous à décoller. Oh, je déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Ramenez tout ce que vous trouverez sur Veltro. Rien. Je croyais que la Méditerranée ressemblait à un gros lac. Flac. Sois patiente. Un bateau en pleine mer, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Sans blague. Mais ça ne résout toujours pas notre problème. Dis, tu m'écoutes au moins? On va te retrouver, Jill. Je te le promets. Nous sommes Veltro. Messager vengeur des profondeurs de l'enfer. Foutu terroriste! On a déjà tué ces salauds. Vous en avez raté quelques-uns. Et ils sont ici. Et maintenant, ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terra Grigia. Et la vengeance. J'ai entendu un bruit. C'est parti pour la descente aux enfers. C'est le gel. Ici Jackass. On est à l'aéroport de Vaikkonen Moki. Ici Forkball. Bien joué. Faites un repérage de la zone et poursuivez votre mission. Alors, comment vous voulez qu'on procède, O'Brien? À vous de voir. Faites comme bon vous semble.
Vous en avez mis du temps. Eh, au moins on est là. Quoi de neuf sur Veltro? Je sais pas. On n'a rien trouvé. Pas d'indice, rien. Et donc? Il y a une pièce souterraine. On s'apprête à la prendre d'assaut. Bien, c'est un boulot rêvé pour nous, ça, hein, Grinder? Eh, attendez, on n'a pas encore reçu le feu vert. C'est bon, on s'en occupe, ok? Et puis, quand il s'agit de remonter une piste, mon copain, là, c'est le meilleur. Eh, hey, je suis juste là, Grinder. Alors, t'as suivi Jessica chez elle? Tu sais où elle habite? Presque. Je l'ai suivi jusqu'au bout, mais je l'ai perdu près de... Hey! Tu me prends pour un pervers, c'est ça? Tu m'étonnes. Allez, en avant. C'est ce que j'ai récupéré grâce aux caméras. C'est un cargo, ça. Est-ce que tu crois que c'est Veltro? Oh! T'as vu ça? Une arme biologique? Ils ont un petit problème. Continue comme ça, et... Oh! Ils pouvaient pas s'en sortir. D'après l'heure, ce crash s'est passé en même temps que celui que Chris a signalé. C'est ici? J'ai l'impression que c'est... Waouh! C'est quoi ce truc? C'est un poltergeist! Hé, hey, Quint! Je change de caméra. On va voir où ça va. Il est vivant, celui-là. Chut, tais-toi! Hé, hey, c'était quoi, ça? Je t'ai dit de te taire! Oh! Oh! Il y a un truc là-dedans! Je sais pas quoi, mais on peut pas le voir! Oh! Oh! Oh, dégueu! Hé! Hey, il a pas fait tomber un truc? Cette vidéo est vraiment réservée à un public adulte. C'est un jeton de sécurité. Je devrais pouvoir pirater le réseau principal de l'ordinateur de l'avion si j'arrive à extraire le code web de cette clé. J'ai rien compris. Mais vas-y, fais-le. Ça veut dire qu'on peut récupérer les données du cargo. Là, j'ai compris. J'en ai vu assez. Allons sur le site du crash. Ce bruit. De l'eau? Ouais. On dirait que ça vient de là. Et voilà. C'est reparti. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? D'accord, je comprends la situation. Le jeton de sécurité que vous avez trouvé provient sûrement de l'avion cargo. Chef, vous avez des nouvelles de Jill et Parker? Non, pas encore. Leurs recherches les ont menées en pleine mer. Mais nous avons perdu toute trace du bateau. Ça ne présage rien de bon. J'espère que ça ira. Ouais, moi aussi. Ils ont disparu depuis trop longtemps. Je commence à m'inquiéter. Trouvez un ordinateur sur le site du crash et essayez de découvrir ce que Veltro prépare. Le site du crash est derrière. Allez! Dis, Grinder, ce serait pas super si on résolvait cette mission? Je trouve pas les transmissions. Bon, je vais essayer autre chose. Les ordi. Les ordi. En revanche, pour les femmes... Grinder! Qu'est-ce qui se passe? On doit joindre le QG tout de suite. Ici le QG. O'Brien, j'écoute. Qu'est-ce qui... Ici Jackass. J'ai les coordonnées du bateau. Je vous les envoie.
Bon travail. J'aime bien ce genre d'appel. Bravo. Bien joué pour les coordonnées. Ouais, j'aurais pu calculer la distance du dernier trajet connu, mais ça aurait pris trop de temps. C'est pour ça que j'ai dit bravo. Mais t'as pas compris ? J'ai calculé que dalle ! On n'est pas les seuls à chercher ce bateau. Attends, de quoi tu parles ? Tu veux dire que Veltro a fui sa propre base et que maintenant ils cherchent leur bateau ? C'est exactement ça. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si les infos que j'ai trouvées sont fiables ou pas. Génial. En fait, on sait toujours pas à qui on a affaire. Exactement. Et c'est une pièce très importante du puzzle. Ici Chris, j'ai reçu les coordonnées. C'est tout prêt. On peut y être rapidement. Bon, Brian, on y va. Peuvent-ils être ? N'importe où. Allons-y. Mais merde ! À l'aide ! Quelqu'un ! Je serai à votre service ! Pour toujours ! Viens, mon Parker ! On va s'en sortir ! Il n'y a personne. Où est-ce que tu irais, Jill? C'était quand même un peu tendu. Le courant est revenu. Utilisons-le. Ok. Ça ira pour l'instant. Je vérifie le système de contrôle. J'ai pas de signal. L'antenne est peut-être débranchée. Elle est sur le pont d'observation. On peut peut-être la réparer. Je suis sûre que la vue est super. Ouais, moi aussi. Allons-y. Non. On est sur le Queen Semiramis. Ok, bon. D'après les recherches de Quint, il y a deux bateaux. Vous devez être sur le navire jumeau du Queen Zenobia. Jill et Parker sont sûrement prisonniers sur ce bateau. Vous avez pu le localiser ? Non. Mais mes meilleurs agents y travaillent. Ça s'est pas écoulé beaucoup de temps, non ? Exact. Qui sait, les deux bateaux voyageaient peut-être encore ensemble il y a quelques heures. Fouillez la zone. Vous les trouverez peut-être. Bien reçu. Comment ça, un piège ? Chef, il se passe quoi, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Répondez-moi ! Restez en contact, j'ai un appel en urgence. Non, chef ! Directeur O'Brien, nous avons reçu un appel d'urgence de l'ESF. Ils ont détecté un mouvement satellite. La force de sécurité européenne ?
Continuez. Oui, monsieur. Apparemment, le complexe d'énergie solaire de Terra Grigia est en cours d'activation. Alors ça y est, c'est parti. On dirait que quelqu'un a trouvé le Queen Zenobia. Alors, vous n'avez pas changé. Parker ! QG ! Qu'est-ce qui se passe ? Le ciel va vous tomber sur la tête. Le complexe d'énergie solaire a été réactivé. Ils visent les repères de Veltro en Méditerranée. Et ce sont les bateaux de croisière. Les satellites qui ont détruit Terra Grigia. Juste au-dessus de nous. Ils peuvent pas ignorer l'ultimatum et détruire le navire. Chef ! Faut nous faire évacuer. Désolé. Mais je ne peux pas autoriser ça. Qu'est-ce que le BSA peut bien me vouloir ? Ça fait combien de temps ? Une année entière ? Désolé de vous décevoir, mais il est trop tard. On doit envoyer ça le plus loin possible. Tout est prêt. Trop tard que jamais. Vous vous demandez pourquoi j'ai déployé le Regia Solis ? Oui. De quoi avez-vous peur ? Ce n'est pas un peu tôt pour déclencher la colère de Dieu ? Système de visée satellite. Entrez l'autorisation. L'heure est venue, O'Brien. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Autorisation approuvée. Laser activé. T'as entendu ? Là ! Veltro ! Vous avez failli rater la fête ! On approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Compris, on attend. Ok, à tout de suite. Terminé. On y est. Le Queen Zenobia. Oh, mince. Ou plutôt ce qu'il en reste. Sois prudente. On a de la compagnie. On peut aborder ici. Jessica, on a une promesse à tenir. Allons-y. Oh, super, une croisière, rien que nous deux. Dommage que le bateau coule.
Très chers agents du BSAA, vous avez arrêté le Regia Solis. Je vais donc vous révéler ce que je sais. Vous saurez tout sur le Queen Zenobia et les secrets qu'il renferme. Quels secrets ? Réfléchissez. D'abord, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour découvrir le Queen Zenobia ? Comment a-t-il pu naviguer sur la Méditerranée sans être détecté ? Pas par magie. Ensuite, pourquoi Veltro a disparu sans laisser de traces après la panique de Terra Grigia ? Et pourquoi vous ne nous le dites pas ? Et enfin, pourquoi quelqu'un utilise le Regia Solis pour détruire le Zenobia ? Les réponses à ces questions vont vous faire découvrir une vérité dérangeante. Vous auriez pu trouver... et ça... Jessica ! Mais pourquoi t'as tiré ? Pour protéger nos hommes. C'est pas ce qu'on doit faire ? T'as pas intérêt à crever ! Non. Raymond ? Mais pourquoi ? Pourquoi te faire passer pour Veltro ? Qu'est-ce que t'essaies de dire ? Découvre la vérité sur Terra Grigia. Quelle terrible perte. Ce bateau n'en a plus pour longtemps. On peut pas laisser ce virus contaminer la mer. On a déjà fouillé le Queen Semiramis. Je crois que je sais où se trouve le labo. Allez, on y va. Ok. Je vais essayer de trouver un moyen de ralentir le naufrage. Jessica, tu me suis ? Ouais. Bon. Ça va nous apporter un peu de fraîcheur, ce changement de partenaire. Compris. On s'occupe du virus. Essayez de gagner du temps. Ok. Jill. Ça fonctionne partout, même sous l'eau. Ça devrait les ralentir. Merci, Chris. Autre chose, j'ai repéré les emplacements possibles du labo. Il a même pas compris. Quel nul. Il est peut-être déjà pris, Jessica. Le virus est là, quelque part dans ce laboratoire. Alors voilà le secret du Zenobia. À y voir plus clair dans cette conspiration. On doit retourner à l'aéroport, et vite ! Hé, mais attends ! Y a personne. Même l'autre équipe a mis les voiles. Qu'est-ce qu'on fait encore là ?
C'est bon, j'ai un plan de secours. Je peux nous faire rentrer avec un PDA. Eh ben pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Si ma théorie est juste, alors la vérité, c'est que Veltro est... C'est trop tôt. Tu te fous de moi, là? Évitons toute conclusion hâtive. Il me faut plus d'infos. Je vois, ça explique tout. Ça explique quoi? Qui est derrière Veltro? Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On va lui demander. Hey, ici Forkball. O'Brien, j'écoute. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est O'Brien qu'on cherche? Directeur O'Brien, je crois que j'ai tous les éléments. Veltro n'a jamais repris ses activités. Tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par vous-même. Vous avez fait revivre Veltro. Tout ça pour faire réagir une certaine personne. Ah, vous avez tout compris. Vous méritez vraiment votre salaire. J'ai analysé les journaux, chef, et j'ai trouvé un truc intéressant. Faites-moi voir ça. Oui, chef, je vous l'envoie immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Erreur de connexion? Ah, on s'est fait repérer! Hé, hey, quick! Deux hommes qui en savent trop, recherchés mort ou vite! Exactement comme dans le jeu du Veltro! Tu veux crever avec tes machines, imbécile? Ah! Non, attends, j'y suis presque! Quint! Kiss! J'espère que vous comprenez à quel point la situation est grave pour que j'intervienne personnellement. J'ai un très gros défaut. Certaines choses me dérangent, même minuscules. Et je dois éliminer la moindre imperfection. Le PSA, ce cher directeur O'Brien, toute votre organisation, vous n'avez apporté que des ennuis. Vous n'imaginiez quand même pas que j'allais vous laisser fourrer votre nez partout. Ne soyez pas stupide. Regardez. Votre destin est entre mes mains. C'est pas vrai. Le Queen Zenobia. Il a même pas compris. Quel nul. Ah, il est peut-être déjà pris, Jessica. Ouais, c'est ça. Bon, on peut y aller maintenant? Bien sûr. On a déjà connu pire, tous les deux. Y a rien de nouveau là-dedans. Ouais, comme au bon vieux temps, à l'époque du FBC. Arrête, plus un geste. Parker? Un espion a infiltré le BSA, l'agent de Morgan. C'est peut-être toi. C'est ce que Raymond m'a dit. Mais de quoi tu parles? On n'a pas le temps de... Parker, élimine-la. Raymond? Comment? Mais tu... Tu étais... Elle essaie d'activer le système d'autodestruction du bateau pour détruire l'épreuve. Quoi? Je rêve. Vous entendez ce que vous dites? C'est pas drôle! Allez! Dis quelque chose! Parker, c'est moi!
Je peux pas te faire confiance. Pas encore. Allez, laisse ton arme, mon... Un peu de cran! Ne te laisse pas avoir, Parker. Parker! Imbécile. Je savais qu'O'Brien avait un larbin. Je vais dire à Morgan que c'est toi. Jessica! T'en fais pas pour le resto. On est quitte. Désolée, Parker. Rattrape-la! Mais... et toi? Pareil, bon, vas-y! Semiramis. Il a choisi la mort plutôt que de subir le déshonneur. Tout comme le Queen Zenobia. Séquence d'autodestruction amorcée. À tout le personnel, évacuation immédiate. Cette séquence ne peut être annulée. Je répète. Échec et mat. Séquence d'autodestruction amorcée. On dirait que ma charmante assistante a joué son dernier coup. Alors, est-ce que vous y voyez plus clair, maintenant? On ne peut plus clair. Maintenant, nous avons une cible. Commencez à compter, Morgan. Pas très original pour des dernières paroles, mais... bonne chance, mes amis. Plus tard. Ici Altric, vous me recevez? Je ne peux pas vous évacuer pour l'instant. Je reste en vol stationnaire. Altric, terminé.
Tenez-vous, je vais nous sortir de là. Non, attends. On ne peut pas laisser cette chose vivre. C'est vrai. C'est la fin du Queen Zenobia. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? On évacue. On a perdu Parker. Jessica a fait sauter le bateau. Jeff baissé. Ah, Morgan. Il avait une longueur d'avance sur nous. Oui, je vois. Je suis désolé, c'était une terrible erreur. C'est ma faute. Dites-nous tout, O'Brien. N'oublie rien. D'accord. Tout a commencé il y a un an. Ici, à Terra Grigia. On est en enfer? Ouais. Il l'appelle Terra Grigia. Gravement blessé? Ok, gamin. À charge de revanche. Bon, je comprends. Tu veux faire ton boulot. Mais joue pas les héros. Tu risques de faire tuer toute l'unité. Ouais. Bienvenue dans le monde réel. Oui, chef. Voilà. Ça devrait te soulager. Je crois que je peux marcher. Alors suis-nous. L'ascenseur qui mène à la salle des commandes est juste là. Oui, je comprends. Et je vous entends parfaitement. C'est une excellente nouvelle. Tout est parfaitement en ordre. Profitez bien de votre petite fête sur le Queen Dido, Norman. Morgan, vous aviez prévu de répandre le virus sur notre navire. Eh bien, c'est chose faite. Ce n'est pas fini. Vous avez encore un rôle important à jouer. Ce navire est un milieu parfaitement clos. Et les données sur votre mutation serviront une cause honorable. L'audace de vos ambitions égoïstes est vraiment très impressionnante. La façon dont vous, Américains, pouvez rêver me dégoûte. Je prends cela comme un compliment. Nous savions que vous pourriez être une menace. Alors nous avons gardé des enregistrements vidéo de nos transactions. S'ils sont rendus publics, vous êtes finis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'utilisation du satellite a été approuvée. Le nouveau virus va être entièrement détruit. Espèce de salaud! Sera bientôt là où, voyant la cause de ce souffle, l'œil à ta question répondra. T'es revenu? Jessica s'est enfuie. On y était presque. Désolé, Raymond. T'avais raison. Depuis le début. Heureusement, quelqu'un y a vu clair pour tout ça. Ne sois pas si dur avec toi-même. Je te rendrai l'appareil.
et on s'en sortira mieux. Oh. T'as tout compris, gamin. Raymond avait compris que Morgan jouait un double jeu, alors nous lui avons tendu ce piège. La réapparition de Veltro. La base dans les montagnes, et la coordination des bateaux. Tout ça pour coincer Morgan? Mais vous auriez pu au moins nous le dire. Je ne pouvais pas prendre ce risque, surtout pas avec une taupe au PSA. Désolé. Tout ce travail. Et le Zenobia et le Semiramis. Oui, je sais. Mais je n'ai pas abandonné. Kiss et Quint nous ont laissé une carte maîtresse à jouer. L'analyse des données qu'ils ont envoyées, j'ai reçu le résultat. Alors, que disent-ils? Nous pensions que Veltro avait utilisé deux vaisseaux jumeaux pendant la panique de Terra Grigia. Mais il y en avait un troisième. Le dernier bateau. Le dernier bateau. Oui, le Queen Dido. Il repose oublié au fond de la mer depuis ce jour. Ce qui veut dire qu'on le trouvera... à Terra Grigia. Exactement. Il est de notre devoir de mener cette mission à bien. Terminé. FBC, personne ne bouge! Tout le monde les mains en l'air! Morgan Lansdale. Mettons un terme à cette mascarade. Le BSA est maintenant sous le contrôle direct du FBC. Clive R. O'Brien. Vous êtes en état d'arrestation pour collaboration avec le groupe terroriste Veltro. Chris, Jill, vous êtes notre seul espoir. C'est ici. Les ruines de Terra Grigia. Et le Queen Dido. Le point de largage est là. C'est le Queen Dido, le troisième bateau. Il y a de l'air. Qui c'est? Ça fait pas longtemps qu'il est mort. EFBC. Dans sa main. Le
Queen Dido repose déjà au fond de la mer. Il n'y a pas d'issue. Aucune chance de survie. À moins que... Jamais de repos. Nous revenons d'entre les morts, emplis d'une force immuable et impitoyable. Toutes nos transactions sont consignées ici. Nous serons les gardiens de la vérité. Aussi longtemps qu'il le faudra. Que tu as engendré. Norman, non! Morgan n'est pas ici. Inutile! Il est plus humain! Voilà comment Morgan traite ses amis. J'espère que sa mort sera plus douce que sa vie. Les moyens de dispersion? Le bateau de croisière est équipé d'un UAV. Voilà votre mode de dispersion. Parfait. Maintenant, la marchandise. L'authentique T-Abyss. Pas de vaccin. Pas encore. Oui, bien sûr. Une petite dose pourrait mettre une ville à feu et à sang. Nous avons fini. Je vais vous laisser. Qui l'eût cru, hein ? De vulgaires terroristes recevant l'aide désintéressée de l'honorable commissaire du FPC. Comme vous le voyez, vous allez avoir du mal à vous en sortir cette fois. On dirait que j'ai sous-estimé le BSA. Et peut-être même vous. Nous avons trouvé ça dans la zone interdite, près de Terra Grigia. Nous l'avons analysé. Vous pouvez le reprendre. Directeur O'Brien, vous comprenez sûrement mon dilemme. Sans la panique de Terra Grigia,
les masses ignorantes n'auraient pas pris conscience de la menace qui pèse sur le monde. Oui, vous avez peut-être raison. Personne n'a le droit de m'arrêter. Le monde a demandé mon aide. Je fais cela pour son bien. Vous vous mentez à vous-même. Vous l'avez dit, vous qui entrez, laissez toute espérance. Mais je ne suis pas Dante, et vous n'êtes pas Virgile. Morgan Lansdell, je vous relève sur le champ de vos fonctions de commissaire du FBC. Et je vous arrête aussi pour suspicion de conspiration avec Veltro dans la préparation et l'exécution de la panique de Terra Grigia. Avec tout mon respect, Directeur O'Brien, le BSA est en train de faire une énorme erreur. J'ai déjà entendu ça quelque part. On peut enfin révéler la vérité sur Terra Grigia. Ouais, mais on l'a payé cher. Le BSA va devoir être manié. La tempête est passée. Mais pour combien de temps ? C'était presque trop facile, hein? La compagnie a laissé Morgan plonger tout seul. Pas de chance. À toi de faire le rapport, cette fois. Et au fait, pourquoi avoir épargné Parker? J'ai mes raisons. Le BSA n'est pas aussi inutile que je le pensais. Les choses pourraient dégénérer. C'est vrai. Le jeu ne fait que commencer.